Salut à tous, nous sommes à quelques secondes du coup d'envoi avec une tension qui est palpable ici à El Alcoraz. Pour commenter ce match, Pierre Ménès et moi-même, Hervé Matou. On espère bien sûr voir du spectacle. C'est l'occasion pour quelques joueurs de se faire remarquer par l'entraîneur. En bien si possible. Un ballon. Romao. Il glisse ce ballon en profondeur. Et la bonne présence là du gardien. Pas terrible ce ballon. Est-ce ce ballon qui traîne? Le ballon qui est sorti. Remise en jeu à suivre. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. On s'approche du but. Montolivo. Allez, l'occasion peut-être de mener. La défense qui parvient finalement à s'en sortir. Ouais, elle gagne son duel et récupère le ballon. Bon, dégagement sans se poser de questions. Keita. Récupéré dans le camp de l'adversaire. Ah, il perd ce ballon. Romao. Eh non, trop appuyé cette passe. Montolivo. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ouais, le duel. Ouais, ça, c'est très bien défendu. Montolivo. Belle série de passes et ça peut devenir dangereux. Alors carton ou pas pour cette faute? Ah oui, jaune. Carton jaune. Ouais, là il a grillé tous ses jokers. Ça part dans la boîte. Donc ça va rien donner. Cette tête qui passe assez loin du cadre. Ouais, il était bien marqué, il pouvait pas faire grand chose de plus.
Keita. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Un mauvais ballon, ça. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement, ils perdent le ballon. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est avantage. Allez, par-dessus. Un superbe geste défensif. C'est un ballon perdu. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Perdu. Ah, c'est un ballon perdu bêtement, ça. Et c'est récupéré. Et c'est fluide, ça circule bien. C'est une mauvaise passe, c'est cadeau. Là, l'arbitre qui a sifflé, coup franc, rien à dire. Il le joue à deux. En prise. Ah oui, le tir. Bon, attention, c'est pas fini. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Il avance balle au pied. Ouais, le centre dans la surface. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Oui, bien fait ça. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, hein, 0-0 pour le moment. Joli bras de fer hein, pour le moment. Seconde période, il peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. À tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Et le ballon au fond, l'ouverture du score dans ce match. C'est vraiment la passe en profondeur qui a précipité les choses, on revoit tout ça en ce moment. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Attention, ça peut être dangereux. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon.
Ah, ça circule très bien, hein, c'est bien joué. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Keita. Allez, il y a quelques options là qui s'offrent à lui. Montolivo. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ah non, le ballon est perdu. Touche. Oh, il va filer au but. Et le but qui vient récompenser le pressing constant de cette équipe, Pierre. Oui, elle est restée fidèle à cette philosophie, ça a payé, bravo. Ce but vient récompenser le gros pressing mis en place par cette équipe. Et à force d'être sous pression, l'adversaire a tout simplement fini par craquer. Good job. Keita. Ah, bonne intervention, intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Oui, la faute signalée et sifflée. Ballon qui est donné en profondeur. Allez, bien joué, il fallait y aller hein, sur ce ballon en profondeur. Il transmet ce ballon. Montolivo, ah, la bonne qualité de ses passes. L'occasion de prendre l'avantage. Non, ça ne passe pas. Oh oui, la belle intervention du gardien. Attention, ça peut devenir intéressant. Bravo, c'est lui qui sauve la mise sur cette action. Quel arrêt. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Oh, qu'est-ce qu'il s'est bien arraché sur ce coup. Plein de ballon. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ouais, voilà, ça va être un coup franc. Et ce sera une touche. Il intercepte. Ah, c'est une touche. Ah, il a bien lu le jeu. Il perd la balle. Ah, il a fait faute, bien sûr, coup franc. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait quand même super loin du but, non? Ah, bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Belle série de passes là, on est en phase de préparation avant de piquer. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Oui, avec les supporters qui commencent un peu à s'impatienter. Ils ne pensaient pas que leur équipe se créerait aussi peu d'occasions aujourd'hui. Montolivo, allez, faut s'appliquer, ça peut être décisif. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Ouais, on passe par les côtés. Le ballon qui sort, le gardien qui va donc pouvoir relancer. On s'observe de part et d'autre, on tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas.
Encore 6 minutes à jouer avant cette rencontre. Ballon rendu à l'adversaire. Allez, s'il marquait sur ce ballon, hein, ce serait le bon moment. Ah ouais, superbe, il file au but. Et le but. Oh, le match qui vient peut-être de basculer. On va revoir ce but avec d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense en difficulté. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Pas terrible ce ballon. Ballon qui est donné en profondeur. La frappe. Oh oui, but. Encore un. L'action gagnante que l'on revoit en ce moment avec cette passe en profondeur. Et le buteur qui va au bout de son action. On est en costaud. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Il y aura 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Passe lobée dans le dos de la défense. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Et le ballon dans les bras du gardien. Voilà, ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Et je crois, Pierre, qu'on a devant nous une équipe prétendante au titre. Elle enchaîne les bons résultats de façon assez impressionnante dans cette première moitié de saison. Ils seront pas loin. Ouais, Hervé, je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce qu'elle va tenir comme ça jusqu'au bout? Si je me base sur ce que j'ai vu jusqu'à présent, je vois vraiment pas ce qui peut l'empêcher de jouer les premiers rôles.